Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous prions de vous tenir debout. Nous allons commencer notre réunion. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de le chapitre 138. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Nous allons prendre le cantique Jésus, la lumière du monde, qui va nous introduire en prière. Oh,
chercher Jésus, la lumière du monde. Marche avec la vérité, Jésus, la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons.
Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as accepté de nous réunir encore une fois ce soir. Seigneur, nos âmes sont contentes en nous. Comme David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Seigneur, nous aussi, nous sommes dans la joie ce soir parce que tu nous as donné l'opportunité, Seigneur Jésus, d'être réunis tout autour du nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons ici, ce n'est pas un hasard. Seigneur, nous sommes venus pour apprendre de toi. Nous sommes venus pour écouter de toi. Nous sommes venus pour te croiser, Seigneur. Et nous sommes venus pour te poser aussi des questions. Alors, puisses-tu accepter, Seigneur Jésus-Christ? La Bible nous dit, tu es le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse, Seigneur Jésus. Puisses-tu accepter, Seigneur, d'être la solution à chaque question qui sera posée dans cet endroit. Seigneur, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui avez des charges et des lourdes peines, je vous donnerai du repos. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin avec nos charges, avec nos peines, Seigneur, avec nos questions, Seigneur, à la croix de Golgotha, Seigneur, afin que toi seul tu puisses prendre notre place, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi le seul qui est digne de prendre nos fardeaux, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions parler comme Cléopas et son ami sur les chemins d'Emmaüs, Seigneur, disant que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de descendre dans ces lieux, soit avec l'adoration, Père, soit avec chaque partie de ces cultes, surtout la partie, Seigneur, le puissant principal de la prédication de la parole. Seigneur, le serviteur qui viendra parler ici, c'est un homme. Alors, comme nous ne sommes pas venus voir un homme, accepte de l'écarter de la scène. Toi, le grand Jéhovah Jireh, puisse accepter de descendre et parler avec tout un chacun de nous, Seigneur. Toi, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, toi, le Dieu qui voit dans les lieux secrets, accepte de parler avec tout un chacun de nous. Nous condamnons dans ces lieux tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et nous les boutons dehors, Seigneur, afin que seul le Saint-Esprit véritable puisse prendre la prééminence ici. Seigneur, accepte, Seigneur, de guider ceux-là qui traînent encore les pas en route, Seigneur. Garde-les, protège-les, conduis-les pas jusqu'ici pour qu'ensemble nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Commence avec nous comme Alpha, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que nous recevrons toutes les bénédictions qui ont été prévues pour la journée d'aujourd'hui. Et puis-tu accepter de terminer aussi avec nous comme Omega. Parce que nous savons que tu nous as exaucés. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle des siècles. Dans les précieux noms de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de passer à la louange, nous allons lire un remerciement. Le frère David Mbala a remercié le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a pris soin de lui lors du voyage qu'il avait effectué de Kolwezi Mbujimayi. Et de Mbujimayi Kolwezi. Pour cela, il dit que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Nous allons louer notre Dieu avec quelques cantiques. Dieu plus près de toi, mon Dieu plus près de toi, plus près de la foi, plus près de toi. Les jours, les preuves, les bordes comme les fleurs. Dans le jour, dans
de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. De toi toujours. Sur les ailes d'une colombe,
sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige, tu envoies son âme. On oublie un signe du ciel, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Jésus-Christ notre Sauveur, 20 jours sur la terre, né dans une étable, dans une crèche d'épargne, ici-bas l'Égypte. Dieu nous donne son signe, Dieu nous donne son signe sur les ailes d'une, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme. Sur les ailes d'une colombe, bien qu'ayant beaucoup souffert des biens des manières, j'ai prié pour la guérison, mais la foi ne fut pas oubliée. Il me donna son signe, il me donna son signe sur les ailes. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Ce n'est pas moi qui allais intervenir ce soir. Aina mie mitahubiri mwangaribi. Le diacre va continuer. Avant ça, j'ai pensé juste vous présenter un couple qui sera béni aujourd'hui même après culte. Mbele ya ile mependa kumijulisha Josie moya yenye tutaunga ndoa ya leo kisha ibada. C'est juste frère Papi Kanyoka et la sœur Esther Kaembe, si vous êtes là, avancez. Ninduku Papi Kanyoka na dada Esther Kaembe kama mko pale unaweza kupita mbele. Il s'agit du frère Papi Kanyoka et la sœur Esther Kaembe. Ninduku Papi Kanyoka na dada Esther Kayembe. La réunion sera, nous allons bénir le mariage ce soir après culte. Nando yabo itabarikiwa imangaribi kisha ibada. Si vous avez un motif correct pouvant empêcher leur union, veuillez nous voir avant la fête de la réunion. Kama muko na mambo ile neza kuzuiza kunga kwa ndoa yabo, mwone kisha ibada. Merci, regagnez vos places, frère Papi. Aksanti mrode pa fashe, mrode pa papi. Ok. Comme vous êtes, on est moins nombreux, je pense à cause de la pluie. Vile moko kiloko, minajua sema tazingine njou ya mvula. Avant que les prédicateurs ne montent, je voulais vous dire que soyons actifs et attentifs à la conduite de l'esprit chaque fois qu'un prédicateur monte du haut de la chair. Na napenda kumiambia sema mwanze kufuata na kuangalia namna kani wakati mhubiri eko kumimbari vile Roho Mtakatifu iko namuongoza. Ce qui s'est passé le dimanche, aujourd'hui j'ai enregistré plus de 2 témoignages de ce que le Seigneur a fait avec quelques-uns au milieu de nous. Mambo ilifanyika mjuma leo mimi napokea maushuda mbili katikati ya
Donc quelqu'un qui a pris juste ce qu'il avait, tout ce qu'il avait, il l'a donné à Dieu. Le lundi, Dieu a remboursé plus qu'au centuple même. Mutu mwenye alibeba yote ile alikuya nayo akapeleka mkajimoya Mungu anamrudisha yo mara 100 plus ya kushindia hata mara 100. Alors j'ai des témoignages comme ça, plus de deux personnes qui sont venues me voir comme cela. Maushude ya vile zaidi ya watu bawili wanakuwa kunyona. Raison pour laquelle, si vous voyez quelque chose comme cela, regarde, parce que lui-même le prédicateur me disait, je n'avais pas préparé, je n'avais pas prévu ce qui s'est passé. Na munaona mambo ya vile mbele mhubiri mwenyewe aliniambia sema mishi kujitayarisha mishi kujua ni nini ilifanyika vile. Alors soyons actifs, le Saint-Esprit ou Dieu aime bien bénir son peuple d'une certaine façon. Mwokoe basikilivu njuru mtakatifu au Mungu anapenda kubariki watoto wake mwanamo na wengine. Il y a une écriture qui dit il y a plus de bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Alors c'est une portion de la parole. L'homme ne vit pas d'un pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je crois de tout cœur que vous qui avez donné le dimanche, de tout cœur, le ciel est en train d'agir déjà. Naamini na roho yangu yote ya kusema mwe bote barileta na roho yenu yote Bwana eko natenda mwe bote barileta mujuma. Soyez seulement dans l'expectative pour voir ce qu'il va faire dans les jours à venir. Tukwetu tukunongojea tuone nini atatufanshia mashiko kumbele. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Alors nous voulons inviter les prédicateurs du jour. Tunapenda kumwalika mhubiri wa siku. Si on peut murmurer quelques notes. Kamba niweza kututumia kwa mwimbo. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges, il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons, mais il est si bon pour moi. L'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi, il est bon, je n'en veux d'autre, car il m'a fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvert, il est si bon pour moi, donnez-moi l'ancien, donnez-moi l'ancien, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Bon ami Bariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu de vie? Yeye ndio mwenye tukabura mpumuzi au zima. Sans plus tarder, je voulais d'abord prier le Seigneur. Bila kawaya dipenda komba mbele Bwana. Bien-aimé Jésus, Dieu de voyant Branham, je bénis ton saint nom parce que tu ne changes pas, Père. Tu as été avec nous depuis le dimanche. Et nous nous sommes un tout petit peu reposés. Voilà que Seigneur, ce mercredi, malgré les conditions climatiques, toi, tu as permis que tes enfants soient là. Certains, peut-être, ont été même mouillés, mais permets que ça ne soit pas en vain, que toutes ces choses-là sont faites, Père. Bénis, ô Dieu, ce service de ce soir. Bénis notre pasteur, bénis l'interprète. Oint toute cette église, écarte l'homme de la scène. Nous nous remettons à toi.
tout en disant non à toute présence diabolique. Au contraire, que la glorieuse que l'on défait puisse faire route ensemble avec nous. Que c'est dans ton nom, Jésus-Christ, que j'en suis prié. Amen. On peut se tenir debout. Comme c'est le soir, je prends une seule écriture. Genèse chapitre 22. Mwanzo makumbiri na mbiri. Nous allons prendre la partie du verset 6. Tanzia kumustari ya sita. Lisons en notre Seigneur Jésus. Tunasoma mungina ya Bwana Yesu Kristo. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Ibrahim akachukua nkuni ndio zabibu. Le chargea sur son fils. Akampapisha yo mwana wake. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Akachukua mikononi mwake moto na kisu. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Wote wawili wakatembea pamoja. Alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, Isaac akamweleza Ibrahim baba yake kwamba, mon père, baba yangu. Et il répondit, mais voici mon fils. Akajibu mie hapo mwana wangu. Isaac reprit, voici le feu. Isaac akasema tena, tazama moto. Et le bois. Na nkuni. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Sasa mwana nkondoro wa zabibu iko wapi? Abraham répondit, Ibrahim akamujibu, mon fils. Mwana wangu. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Mungu peke yake atatayarishia mwana nkondoo njoo zabibu. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Wakatembea nyinyi wote wawili pamoja. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Wakati warifika fasi Mungu alimwelezea. Abraham y eleva un autel. Ibrahimu akaweka hapo mazabahu. Et arrangea le bois. Kutengeneza nkuni. Il lia son fils Isaac. Anafunga mwana wake Isaac. Et le mis sur l'autel. Akamweka hapo mazabahu. Par-dessus le bois. Yuli ya mankuni. Puis Abraham étendit la main. Kisha Ibrahimu akanyosha mkono wake. Et prit le couteau. Akachukua kisu. Pour égorger son fils. Ndio kuchinja mwana. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de Dieu et dit, sasa malaika wa milele kumuita toka mbingu na kusema, Abraham, Ibrahim, Abraham, Ibrahim, il répondit, akajibu, mais voici, mio hapo, l'ange dit, malaika akasema, n'avance pas ta main sur l'enfant, kama ushuweke mkono wake pa mtoto, et ne lui fais rien, ushimutendee kitu, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Kwani najua pa sasa kwamba unaogopa Mungu. Et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Na unikatarie mwana wako au pekee. Abraham leva les yeux. Ibrahim akainua macho. Et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les corps. Akaona nyuma yake kondoo ndume mwenye kujama mkididi kunsengo. Et Abraham. Ibrahim alla prendre le bélier akenda kamuchukua et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Na kumutoa msadaka pa fasi ya mwana wake. Abraham donna à ce lié Ibrahim akapanga ile fasi le nom de Jehovah Jireh. Jina Yehova ile. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui Joko mwana wanasema leo à la montagne de l'Éternel il se pourvit. Kukirima il sera pourvit. Batatayarisha. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez aller continuer avec cette lecture, vous allez entendre de bonnes choses. Ce que je suis en train de dire, c'est depuis dimanche. Je voulais vraiment que les gens me saisissent très bien. Ce n'est pas seulement pour des raisons de la construction qu'on prêche ça. Mishubiri paka njua kusema njua majengo. Je cherchais quoi prêcher. Miri tafuta nini ya kubiri. Dieu m'a donné ça. Mungu akanipa na hivi. Parce qu'il a quelque chose qu'il peut faire pour nous. Njua nakuwa na kintu moya anezi kututendea. Dans la profondeur de ce que moi je sens en parlant de ça. Mupana vile mi nyuku nashikia imanene nyuku nasema. J'ai compris une chose. Minelewa kintu moya. Depuis le jardin d'Eden. Tangu bustani ya Edeni. Depuis l'éternité. Tangu mumilele mule. Vous allez constater que mutaona kwamba
On faisait des sacrifices tout au long de la Bible. Mais il y a un sacrifice tout à fait particulier. C'était l'agneau. Et quand il est question de l'agneau, il y a toujours quelque chose qui marque la différence. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon petit thème là, l'agneau de Bartimée. J'ai parlé de ça le dimanche comme Dieu l'avait volé. Et remarquez que dans la Bible, Dieu, Mungu, quand nos premiers parents ont péché, wakati wazazi yetu wa kwanza walitenda zambi, il n'a pas utilisé un autre animal. Ashikutumikishe nyama mwingine. Il fallait le peau, une peau de brebis, ilibidi ngozi ya mwana nkondo, pour cacher la honte de nos premiers parents. Ndio kuficha ile haya ama utupu wa wazazi yetu wa kwanza. Et c'était toujours le type de l'agneau. Quand vous allez en Apocalypse, on parle d'un agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Et vous découvrirez là le mystère qui se cache derrière un sacrifice d'un agneau. Et quand un agneau meurt, même dans le type là-bas, il y a une délivrance qui s'opère. Il y a un événement important qui se passe. Quand Caïn et Abel ont voulu adorer, Caïn n'a pas pris de bonnes fleurs du champ, ou plutôt Abel. Mais Caïn a regardé ce qui attirait. Mais pour Abel, il avait eu la révélation d'aller chercher un agneau, un animal qui devrait plaire à Dieu. Et Dieu était content. Malgré que Caïn était mécontent, cette révélation-là a été la volonté de Dieu pour Abel. Et on en parle. Et cela, c'était le type du Seigneur Jésus. Et vous parcourez la Bible, et vous allez trouver que même quand Abraham est arrivé, à la place de son fils, c'était un bélier, un animal doux. Et Dieu aimait souvent utiliser ce type-là parce qu'il devrait y avoir un doux sacrifice qui devrait arriver. Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu, étant dans cette période de Pâques, moi j'ai compris que mimi si nous posons toute notre attention kama tunaweka angalisho yetu et comprendre les choses dans l'angle spirituel, na kuelewa bitu mukiro, la Pâque apporte la résurrection. Et quand un agneau meurt, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Abraham était certain qu'il allait tuer son fils. Mais Dieu savait que son fils ne mourra pas. Parce qu'il est le Jéhovah Jireh. Et quand il a pourvu ce bélier, et il a fait le serment, comme tu as fait cela, il a commencé à prononcer les bénédictions. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est seulement ce jour-là que Abraham a obéi à Dieu? Je peux dire non. Abraham a obéi à Dieu depuis le début. Il a quitté la maison de son père, la maison de sa mère, et il a fait tout ce que Dieu lui disait.
Il s'est séparé de son père. Il s'est séparé avec l'autre. C'était l'obéissance à la parole. Mais pourquoi Dieu pouvait gérer ce jour-là? C'est parce qu'Abraham a obéi cette fois-là à quelque chose à laquelle Dieu ne pouvait pas s'attendre. Laissez-moi vous dire, vous êtes chrétien il y a longtemps, vous croyez la parole il y a des années, mais vous arriverez un jour à faire un sacrifice qui est exactement une révélation pour vous, et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Ce n'est pas pour dire que vous venez d'être chrétien, mais vous l'êtes tout ce temps. Mais il y a un jour où Dieu peut vous révéler une volonté pour ce jour-là. Et si vous êtes attentif, quelque chose va se passer. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je sais que nous parlons de Bartimée. Il a offert les deux tours terrain. Rien ne s'était passé. Il a eu la guérison. Mais quand il vient autour d'offrir un agneau, Dieu lui a vu rester main vie. Et il avait des gens qui le critiquaient. Bartimée, tu as donné ton espoir. Tu as donné ta source de revenus. Et charnellement, c'est banal. Mais en profondeur, quelque chose de mystérieux pourrait toujours se passer. Le souverain sacrificateur l'a interdit. Mais quand il a donné cet agneau-là, Dieu a pris l'itinéraire de là où Bartimée était assis. Et Branham dit quelque part là, il dit que ce jour-là, Bartimée avait trouvé une petite pierre qui était placée sur le chemin de qui menait vers Jéricho. Et il s'est assis là. Il a commencé à penser à l'enseignement que sa maman lui avait donné. Que sur ce chemin, nous avons connu des grands prophètes et le puissant homme Josué. Ils sont passés par ce chemin. Mais Dieu nous avait promis par Moïse qu'il y aura un prophète comme lui qui passera et qui rachètera Israël. Et Bartimée a commencé à se souvenir. Quand il a commencé à se souvenir, après avoir offert son agneau, c'est ce jour-là qu'il a entendu le bruit, le bruit des chameaux. Et des gens qui passaient s'est intéressé. Il a demandé, mais pourquoi tout ce bruit? On lui a dit, il y a un prophète, un homme appelé Jésus de Nazareth, qui doit passer par ici. Il avait du et Bartimée, frère Branham, il a jeté son manteau sans voir où il a jeté. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et ce jour-là, Dieu ne l'a pas seulement ouvert les yeux, Dieu a permis que Bartimée voie sa fille de 16 ans. Qui n'avait jamais vu. Dieu a permis que Bartimée puisse quitter le chômage qui le traînait depuis sa naissance à cause de la quitter visuelle qu'il n'avait pas. Et Branham dit,
La bénédiction de John Charit. Baraka ya John Charit. Que nous chantons aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la somme? Et munafuata kule na toto. C'est beau bien de dire ça. Ni mzuri kusema vi. Mais cet homme là. Saule mutu. A travaillé durant près de 15 ans. Alitumika karibu miaka 15. En train de casser du béton. Et na pasula mawe. Et il a eu un péturien. Akapata kafeza kaloko. Comme vous êtes locataire aujourd'hui. Vile leo kuna ripi. Une fois trouvé sa petite maison. Anapata tu kanyumba yake kaloko. Il n'a même pas encore passé de temps là-bas. Dieu le met à l'épreuve. Et lui dit, donne ta maison à frère Sidon. Est-ce que vous sentez la maison des souffrants? Quelques jours seulement. Dieu lui dit, donne ça à un prédicateur. Peut-être la construction d'une église, ça serait un peu... Et c'est compréhensif. Mais donnez ça à un homme qui passait dans les champs missionnaires. Est-ce que vous pouvez vous représenter? Mais il l'a fait. Et après, les choses ne se sont pas faites automatiquement. Il est allé loger dans les garages. Et Dieu l'observait. S'il commençait à s'agiter, s'il allait commencer à murmurer, il était joyeux. Il a commencé à tondre les gazons là-bas. Il bénissait le Seigneur. Il allait à l'église. Il aimait son Dieu. Il disait merci au Seigneur. Comme tu as permis que ma maison est au prédicateur. Et quand tu as regardé, c'est un sacrifice très dur. Il a commencé de là où il était. Il a obligé à cette femme. Donne-lui 10 000 dollars. Il commence le commerce. Et c'est pour dire que John Charit n'avait jamais offert quelque chose dans sa vie. Il donnait. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Même dans le peu qu'il avait. Mais cette façon de donner ce jour-là a dépassé la dimension humaine. Dieu ne l'a pas seulement béni. Dieu a même regardé la stérilité. Qui frappait sa femme, il a donné les enfants. Et si vous lisez dans Jéhovah Jireh Branham, que John Charit pouvait commencer à donner la dîme de 4 millions de dollars par an. Écoutez comment je vais essayer. Je voulais qu'on quitte seulement la dimension financière là. Qu'on ajoute à ça une certaine dimension. Dieu peut nous aider d'une certaine manière. Si vous êtes là. Frère Branham dit les commentaires de la Bible. Vous verrez que quand Dieu a utilisé cet animal là, même dans la Bible, Pharaon était têtu. Pharaon il a bloqué les enfants d'Israël. Dieu l'a puni, Pharaon les avait toujours bloqués. Mais quand Dieu a ordonné qu'on immole un agneau, cette nuit-là, le cœur de Pharaon est devenu fragile. Il a dû libérer ces gens-là. Et quand il les a laissés, c'est parce que la Pâque était en cours. Je voulais que vous observiez le mystère caché derrière le sacrifice d'un agneau. Vous allez me demander qu'on aille acheter les agneaux au marché. Ce n'est pas de cela que je parle. Je voulais dire ceci au contraire. Faites quelque chose pour Dieu. La chose qui vous est très utile. Et si c'est une révélation pour vous, que vous le fassiez
pour Dieu et faites-le et observez la suite. Ce sera comme l'agneau de Bartimée. C'est de cela que je parle. Je prends là où on avait arrêté le dimanche. Frère Branham dit, dans Dieu a pourvu un agneau. Non, je voulais que ce soit ici. Comme Dieu veut que cette petite prédication puisse nous amener dans une certaine dimension. Je vous dis ceci. Si quelqu'un saisit la vision, même ce soir, vous serez seulement seul avec Dieu. Et vous allez observer ce que le Seigneur fera. Dieu a pourvu d'un agneau. Écoutez comment le prophète dit. Il y a vraiment un secret. J'ai toujours lu ces prédications ici des fois. Et des fois. Et cette histoire, mais quand j'ai lu ça cette fois-ci, c'est comme si ça peut m'amener à plaire. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je suis au paragraphe 122. Oui, même là où vous êtes, on peut toujours aller. Branham dit, Jésus s'est arrêté. Yes, le visage de ce mendiant aveugle l'avait arrêté net. J'aimerais avoir quelque soit pour prêcher sur ce sujet. Alors Jésus s'arrêta. Mais il s'est tenu là et il a dit, amenez-le ici. Branham dit amen. Je lisais une histoire sur l'aveugle Bartimée. Ici, il y a quelques temps, quand j'étudiais l'histoire de la Bible, c'est probablement une légende. Mais il a dit qu'il avait toujours cru à la guérison. Peu importe ce que les sacrificateurs disaient, il croyait toujours en cela. Cette histoire racontait qu'il était un homme marié et qu'il avait une femme et une petite fille qu'il n'avait jamais vu. Et elle avait à peu près 7 âges à ce moment-là. À peu près 16 ans. Il ne l'avait jamais vu. Et cela disait que c'est ce qu'il faisait pour. Vous savez, il faut avoir quelque chose d'un peu différent de l'autre quand on mendie. Sinon, on ne peut attirer l'attention des gens. En Inde, il laisse une de ces petites magouillistes tuer un cobra. Et font une chose ou une autre pour attirer l'attention. J'ai vu un singe prendre un bâton et frapper un ballon dans la rue, une chose ou une autre pour attirer l'attention. Et on leur donne de l'argent. Et cette histoire racontait que Bartimée avait deux petites tourterelles qui produisaient qui faisait des kilbites comme des petits l'une par-dessus l'autre, et cela divertissait les gens, les touristes, et il lui donnait de l'argent. J'aimerais que vous suivez ça très bien. C'était son moyen de protection, c'était son travail. Frère Branham dit, et d'après ses reçus,
cette histoire, il a riche. Un soir, sa femme est tombée malade. Gravement malade. Et ils ont fait venir le médecin. Et le médecin a dit, Munganga kasema, Bartimaye, il n'y a rien que je puisse faire. Elle, je n'arrive pas à faire baisser cette fièvre. L'histoire dit qu'il avançait en tâtons jusqu'au mur et il est sorti de la maison. Puis il a dit, Jéhovah, je t'aime, je crois en toi, je n'ai rien que je puisse t'offrir, j'ai deux petites tourterelles ici qui m'aide à gagner ma vie. Est-ce que vous suivez très bien? Il avait prié comme un chrétien. Parce que Branham et Dieu, quand nous voulons prier, nous devons promettre à Dieu que si tu me réponds à ceci, moi je ferai cela. Et Branham et Dieu, avec des motifs corrects et une pensée correcte, il a dit, je n'ai rien à t'offrir. Mais quand les gens, les visiteurs viennent, je fais jouer mes tourterelles. C'est une source de revenus pour moi. C'est à cela que je gagne ma vie. Mais si tu permets que ma chère femme reste à mes côtés pour m'aider à élever mon enfant, je suis aveugle, je ne vois pas. Mission. Si tu permets que ma femme se rétablisse pour m'aider, je promets que je t'offrirai un grand sacrifice demain. J'irai avec mes petites tourterelles et je les offrirai en sacrifice. Est-ce que quelqu'un sait ça? Il y a certains problèmes. Il y a certaines requêtes dans notre vie qui demandent qu'on prie comme ça, qui peuvent nous pousser qu'on prie comme ça, à tel point que vous regardez dans la maison la chose que vous est utile. Dieu vous pousse à la prendre sans faire quoi que ce soit, étant gonflé par la prière, après avoir prié, prié, vous sentez que ça, je prends la Bible. Une pièce que tu as achetée pour une certaine mission, un pagne. Vous pensez que c'est pour telle chose. Vous regardez telle requête. Je l'ai amené au pasteur. Je l'ai amené en prière. J'ai amené ceci. Et ça n'a jamais eu de solution. Mais moi, après que j'ai prié, j'ouvre ma valise. Je prends ce pagne là. Ce super wax là. Je pardonne. Vous voyez le pagne. Mais Dieu voit le motif à l'intérieur. Mais il y a un grand secret dans ces choses-là. Et je sens qu'avec ça, Dieu peut bénir quelqu'un. Dieu peut enlever une difficulté qui a traîné il y a des années. Pas parce que la pièce coûte. Pas parce que vous donnez, vous n'avez jamais donné. Mais c'est quand vous arrivez à saisir la vision. Moi, je sens mon cœur qui brille. Comme si Dieu est permanent pour qu'il fasse quelque chose. Branham dit, eh bien, on dit que sa femme s'est rétablie. Et il a pris le tourterelle et il les a offertes.
Quelques temps après, j'apprends qu'il a donné le tour terrain. Aucun sacrificateur ne l'a empêché. Aucun sacrifice de l'agneau maintenant. Sasa mupate sasa ici la mwana kondola. Quelque temps après. Wakati chache bada. Sa petite fille est tombée malade. Bitu aike na nalukul. Elle aussi était à l'article de la mort. Karibu akufe. Il est donc sorti de nouveau. Anatoka tena mara tena. Pour prier. Dieu a comme. Il a dit. Akasem. Jéhovah. Jéhovah. Il ne me reste plus rien d'autre que mon agneau. Et en ce temps-là, c'est l'agneau qui conduisait la veine, comme le font les chiens, les chiens des aveugles. Comme le font les chiens des aveugles aujourd'hui, on les dresse pour conduire les aveugles. Il avait donc un agneau qui les conduisait à l'endroit où il mendiait. Il a dit, la seule chose qui me reste, Jéhovah, c'est cet agneau. Et il a dit, si tu permets que ma petite fille vive, même si je ne l'ai jamais vu, elle met d'un grand réconfort quand je caresse ses cheveux. Avec mes mains. Et il a dit. Elle m'aime. Et je l'aime. Et il a dit. Jéhovah. Si tu permets qu'elle vive. Je t'offrirai mon agneau. En sacrifice. Tu peux remplacer la fille de Bartimée par ta requête là. Pianisha imambo ya binti ya Bartimée kuile mambo. Si tu as Dieu. Mweleze Mungu. Si tu permets. Quelle chose. Ile kitu fula. Que j'ai longtemps désiré. Kenye minatamanya kabisa. Que je puisse avoir ça. Ikipate. Je te promets. Minakulaka. Je ne sais pas ce que tu peux promettre. Mishijua kamo talaka nini. Branham et tu. Et sa fille se rétablit. Binti wake akapona. Et voilà qu'il s'est mis en route. Moneni sasa yule mbalaba. Vers le temple avec l'agneau. Kwekalo na mwana nkondo. Et le sacrificateur. Na okoani. Est sorti. Aritoka. S'est tenu sur le balcon. Akashibame kule yule. Et a dit. Akase. Avec le Bartimée. Kipof Bartimayo. Où vas-tu? Ce matin. Yasubui. Il a dit. Akase. Je veux autant pour offrir cet agneau en sacrifice. Branham dit. Branham dit. Oh, a-t-il dit? Oh, Arisé. Avec le Bartimée. Tu ne peux pas faire ça. Il a dit. Akase. Je veux te donner un peu d'argent pour que tu ailles aux enclos et que tu achètes un agneau que tu offriras. Il a dit, je n'ai jamais promis à Dieu un agneau. Kaka Mungu, mwana j'ai promis à Dieu cet agneau-ci. Non, ne faites pas l'histoire d'Anani et Saphira. Après avoir fait le vœu à l'Éternel, Mungu la jalousie s'est installée dans leur cœur. Et ils ont voulu faire le contraire de leur promesse. Et le Saint-Esprit est encore frais. Et venant encore de remplir quelqu'un. Et Pierre l'a regardé. Et on l'a enterré. La femme est venue. Elle voulait faire la même chose. On l'a même averti. Mais elle est tombée dans les pierres. Écoutez ceci. Frère Branham dit. Il a dit. Mais. Avec le Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau-là. Car cet agneau-là, c'est tes yeux. Quelqu'un peut remplacer l'agneau? Tu vois ces 100 dollars-là. C'est tout ce que tu as dans la maison. Tu vois cette. Tu vois. Ça te passe dans la tête. Mais Dieu t'a déjà convaincu. Depuis le dimanche, il y a quelque chose que Dieu t'a soufflé. Seulement cette robe-là.
Frère Branham dit, il a vu les gens chez les pentecôtistes. Arona bantu ku bantu ils pouvaient enlever leur chemise. Barukwa na tosha ta mansumishi hapo. Et Dieu a toujours été étonné par des choses comme Mungu ça. Mungu anashangaa katunjwa ile bintu bya vile. Soit il peut te donner l'argent. Awa naweza kupa fedha. Soit il peut entrer dans votre famille. Awa naweza kuingia mujamii yako. Voir quelque chose qui était impossible à Kone kenye kitu kilikuwa cha nguvu sana mbele yako. Et il donne la solution à ça. Analeta jibu. Branham dit. Branham anaendelea. Il a dit. Akasema. Si je tiens ma promesse. Kama na chika lako ya. Envers Jehovah. Kwa Yehova. Il pourvoira d'un agneau pour mes yeux. Atatayarisha mwana mkondojo wa macho yako. Qu'est-ce qui nous pousse à reculer? Nini natusukuma turudie? C'est quand on commence à raisonner. Wakati tunaanza kuwaza. Une fura inanibamba nini? C'est quelle joie ici qui m'a saisi. Ne bouche kubo. C'est la nuit. Pas le butakachik. Quand le jour va apparaître. Moment chomotani takat. Ah, je verrai quoi faire. Nini yenye irinibamba. Qu'est-ce qui m'avait donc saisi? Branham dit. Branham a dit. Même la guérison divine. Ata uponyaji kimu. Quand vous doutez que vous venez d'être guéri. Kama unabisha kwamba natoka kupata matunzo. Vous perdez votre guérison. Unaipotesha. Si vous avez eu une révélation, comme on répète en funule, et Dieu vous a poussé, la mungu arikusuku, à cause de cette prédication, tu as eu ma ubi, à faire les choses d'une certaine manière, kufanya kote de munabu na mafulani, ne recule pas en arrière, ushirudie kinyuma, parce que c'est une révélation uniquement pour toi, juna kwa funule paka juna, et ne doute même pas à quelqu'un, ushelezi ata mungu, Abraham, Ibrahimu, avait des serviteurs, alikuwa matumishi wa mungu, Dieu lui a dit, wakati mungu arimweleze, fatu we Isaac, wende umuwe Isaac. Même Sarah, ata sa, même les deux serviteurs, personne n'était au courant. Mais Abraham, Ibrahimu, en parlant, Mukusema, il prophétisait. Laissez-moi vous dire, Mnyache, quand vous avez une révélation personnelle avec Dieu, wakati na ufunulo ya kipekee na Mungu, il y a quelque chose qui s'attache à votre révélation. Mais si vous l'accomplissez, il y a une réalité. Il va nous amener nous tous à regarder. Les radios peuvent en parler. Et pourtant c'était ta révélation. Tu commenceras à dire. Je n'avais senti ça comme des simples blagues. Mais quand je l'ai fait, voilà ce qui m'est arrivé. Branham dit. Il dit ceci. Mes amis. Je termine d'abord ce paragraphe-là. Il avait fait en ce froid matin d'octobre un agneau avait été pourvu pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Il a posé ses mains sur ses yeux. Et cet agneau que Dieu avait pourvu a ouvert ses yeux. Quand il se dirigeait vers la crucifixion, mais nous verrons cela un peu plus tard. Savez-vous que ce même agneau pourvu, il n'en a pas un autre et il n'en aura jamais. Il est capable qu'il soit Jehovah Jireh. Il est capable qu'il y ait un bélier retenu dans le corps. Il est capable qu'il y ait les enfants et la famille avait dit il n'aura jamais ça. Il n'aura jamais ça. Dans notre famille, personne n'aura le diplôme. Dans notre famille, personne ne peut être star. Dieu du ciel, l'agneau, le sauvage, est capable, même ce soir, d'être sauvage. Donc soyez certains de Dieu. Frère Branham dit, parlant de l'histoire de la veuve de Sarepta, que quand elle avait donné ce gâteau-là à Élie, elle est restée vide. Elle s'attendait d'un moment à l'autre à la mort. Mais quand l'insulte du Seigneur est sorti de la bouche du prophète, Branham dit, il y avait un mystère qui s'est passé. Cette femme-là, chaque matin, elle vidait le pot de farine.
Non, la farine terminée. Bunga ulikuwa naisha mutungi. Mais lakini, quand elle avait besoin de la farine, wakati alianza tafuta bunga, la farine se trouvait là. Bunga ulikuwa paka mulenda. Et chaque matin, na asubuhi yote, ou à chaque cuisson, au mangaribi yote, quand elle voulait préparer, wakati alipenda kupika, elle vidait l'huile. Alikuwa na tocha mafuta. La cruche était vide. Ile nkopo ilikuwa wazi. Et durant 3 ans et 6 mois, quand elle avait besoin de l'huile, wakati alitafuta mafuta, elle allait à la même cruche vide. Alikuwa anaenda kule nkopo moya moya. Il avait de l'huile. Mafuta ilikuwa ya moto. Et Dieu de William Branham, na Mungu wa William Branham, même quand c'est vide, hata kama ni wazi, aux yeux naturels, kumete ya bata, quand les hommes ne voient rien, hata bata baone kitu, la chose est là. Kitu kiko amo. Il crée. Eku na umba. Il a créé le secret. Arumba banshindi. Il a créé le ciel et la terre. Arumba mbingu na juli. Et il nous a dit, un prédicateur derrière la chair, c'est un prophète Ninabi. Dans le Nouveau Testament. Wagano jipe. Et Branham dit, na Branham asep. Si un prédicateur kama mubiri prêche la parole, ana ubiri net. Et que vous croyez à ce que la prêche, et que vous vous conformez à ça, na unambatana na hiyo, quelque chose doit se passer. C'est William Branham. William Branham. Moi, je suis convaincu. Je parle lentement. Pole, pole, au pole, point pole. Que dans notre église de grâce tabernacle, il y a des cas qui ont traîné. Il y a des problèmes que le pasteur peut-être ne connaît pas. Que moi, je ne connais pas. Mais à des occasions comme ça, mais relevez les défis. Défiez Dieu. Nous croyons un Dieu de défis. Nous croyons un Dieu qui fait quand rien ne peut être fait. Quand personne ne peut plus vous aider, quand il n'y a plus rien qui peut vous venir comme secours, c'est à ce moment-là que ce Dieu-là se tient. Mais il se tient ce soir pour vous demander de faire quelque chose pour que quelque chose soit fait. Je lis peut-être dans une seule brochure comme c'est le soir. Vous allez remarquer une chose. Frère Branham peut se répéter quelque part sur la même chose. Mais il y a toujours même une ou deux phrases dans sa répétition là, qui frappe votre cœur. Il y a toujours quelques mots différents de ceux qu'il avait parlé et qui peuvent vous attirer. Écoutez comment le prophète dit dans la cruauté du péché. Frère Neville, c'est la dernière écriture sur votre liste là. Donc Neville n'a qu'il y a maubiri à moins chopale carta sikunayo. Écoutez comment il va nous parler. Fate Neville ta semeze. Dieu nous aide à lire ça et terminer. Mungu atusaidie kutu isomei na tumalize. Je voulais qu'en lisant ça que nous soyons vraiment attentifs. Miripende mukusoma hii andiko tukwe na usikilivu. Je voulais qu'on lise ça vraiment. Vous êtes déjà là. Je voulais prendre ce que j'ai ici aussi. Frère Branham dit des choses là-bas. Il dit, je suis là. Nafika. Je prends le paragraphe 160. 162, Frère Neville. On commence par là pour gagner du temps. C'est un peu long, mais c'est à cela que je voulais qu'on arrive à la prière ce soir. Nous avons une semaine, on écoute un peu cette petite exhortation. Et je vous donne le temps d'aller murmurer avec le Seigneur dans votre chambre. Et nous voulons le prendre à témoin pour cette petite exhortation. Il y avait un homme aveugle dans
dans la Bible, du nom de Bartimée, les yeux avec le Bartimée, il avait deux petites colombes. Nous dit l'histoire. Ces petites colombes avaient l'habitude de faire de petites clébites l'une par-dessus l'autre. Et les gens se tenaient. Ils tenaient, Bartimée tenait son bol. Et alors, quand les gens passaient par là, ils regardaient ces petites colombes faire de petites clébites, puis ils laissaient tomber des pièces de monnaie dans le bol pour les yeux mendiants avec. Il était un homme marié et il avait une petite fille. Il n'avait jamais vu sa petite fille de sa vie. Et elle avait environ 12 ou 14 ans. Au moment où nous apprêtons à entrer dans l'histoire de sa vie maintenant. Et il était là. Il est dit qu'un soir, sa petite fille est tombée malade. Et il s'est adressé au Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu guéris ma petite fille, je t'offrirai mes deux colombes en sacrifice demain. Alors, le Seigneur a guéri sa petite fille et il a offert les deux colombes en sacrifice. Après un certain temps, avant longtemps, sa chère épouse est tombée malade et elle pensait qu'elle allait mourir. Alors, il s'est adressé au Seigneur pendant la nuit en avançant à tâtons le long du mur de sa maison. Il s'est agenouillé dans le champ et il a dit, oh Dieu, oh Dieu, si seulement tu épargnes la vie de ma femme, demain je t'offrirai mon agneau en sacrifice. Frère Branham dit, vous voyez des aveugles conduits par un chien aujourd'hui. Il est que là, on dressait le brebis pour conduire le chien. Alors, il avait un agneau qui peut nous conduire sur le chemin de la vie. Et c'est le Seigneur Jésus. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Le Dieu peut être là pour le reste de notre vie. Eh bien, alors demain, je t'offrirai mon agneau en sacrifice. Et sa femme s'est rétablie. Branham dit, et le lendemain, il était en route vers le temple. Et il a dit que le souverain sacrificateur Caïphe s'est approché et a dit, avec le Bartimée, où vas-tu? Et il a dit, je vais au temple. Oh souverain, tu as promis au Seigneur que si il guérissait ma femme, j'offrirai mon agneau. Branham dit, il a dit, tu ne peux pas offrir cet agneau. Bartimée, parce que cet agneau, c'est tes yeux. Et il a dit, je vais te donner de l'argent et tu achèteras un agneau chez les vendeurs au temple. Mais Bartimée a dit, oh souverain sacrificateur, je n'ai jamais promis à Dieu un agneau. Je lui ai promis cet agneau-ci. Branham dit, oh là là, je me demande. Je voulais que vous suivez ça. Je me demande.
Kunaruliza. Si vous avez fait de telles promesses, si vous voyez cet agneau entièrement suffisant ce soir, pensez ceci. Mwazieni. Seigneur, Bwana, si tu veux bien me rétablir, je te promets nakulaka que je te servirai. Je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que je paie, si tu laisses mon bébé vivre, peut-être quand ton enfant était malade, tu avais fait ce vœu-là. L'as-tu déjà accompli? Branham Dieu. Quand vous êtes tenu là, et que votre mère est descendue dans la tombe, ou votre père, ou vos bien-aimés, oh Dieu, je le rencontrerai. Je le rencontrerai de nouveau. Je me demande si vous étiez vraiment sincère. Si vous étiez vraiment sincère, je me demande si c'est Si ce Pâques va venir et partir sans que vous accomplissez ce que vous avez promis. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Commencez à rebobiner. Dieu ne fait rien pour rien. Depuis que vous êtes chrétien, n'as-tu pas fait un vœu au Seigneur que vous avez oublié quelque part? Peut-être c'est ce qui bloque la chose. Branham dit, je me demande si vous étiez vraiment sincère. Mais si cette Pâque ici ou encore passer sans que vous vous ayez accompli vos promesses envers le Seigneur. Est-ce que nous sommes pendant la Pâque? Revoyez dans votre cœur. Il est allé là-bas et a offert son agneau. Il est revenu avec quelqu'un qui le conduisait. Alors, il a dit, quand il est revenu, il a dit, Bartimée, tu ne peux pas faire ça. Le sacrificateur qui s'est approché pour prendre son agneau, tu ne peux pas offrir ceci. Le pasteur connaît la vie de chaque croyant. Des fois, il peut refuser. Que tel ne donne pas la contribution. Mais tant qu'un homme. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Bartimée. Frère Branham, tu ne peux pas offrir cet agneau en sacrifice avec le Bartimée. Sais-tu que cet agneau, c'est tes yeux? On peut te dire, il parle de Dieu. Il peut te dire, sais-tu que c'est 100 dollars ici? C'est ça même ton capital qui peut nous libérer.